après l'effort. Le réconfort. Merci. Mais c'est quoi? De l'hypocras. Ça, c'est bon. Pas mal, hein. C'est alcoolisé. Je le sentirai. C'est du verre du galisé. Non, c'est bon. Je vais faire un tour aujourd'hui. Merci. Enfin, je dis Dieu. La réplique conforme, hein. Nous allons ouvrir le règlement. Bon, ben, bienvenue à tous en ce deuxième week-end d'octobre. Traditionnellement, c'est la fête du papier à Mecpin et on n'y dérogera pas. Alors, il va y avoir des garçons et des filles qui vont normalement tirer le concours. Pour courir au tir du coq, seulement chez nous, on s'aperçoit que la parité n'y est pas. Apparemment, il y a 10 garçons contre 8 filles. L'an 2013, dimanche 12 mai 2013, après autorisation de monsieur le maire de Mecpin, les jeunes du village ont voulu renouveler la fête du papetier. À cet effet, ils ont formé une société afin qu'aucune contestation ne puisse s'élever. Ils ont rédigé entre eux le procès verbal et ont convenu de ce qui suit, à savoir, article 1, un papier sera exposé et joué publiquement par la jeunesse du village. Article 2, le premier coup d'honneur sera offert à monsieur le maire, suivi du couple royal de l'année précédente, qui seront comptés comme nuls. Article 3, chaque jeune prendra ensuite part au tir du papetier à tour de rôle. Article 4. Une planche de sécurité d'une perche sera le but vers lequel devront toujours tendre tous les coups qui seront tirés avec l'arbalète et les flèches. Article 5. Le papier ne sera gagné que lorsque la planchette fixée à l'extrémité de la perche sera atteinte par une flèche. Article 6. Deux tirs seront effectués. D'une part par les garçons et l'autre par les filles. Comme cela, ils auront droit à autant de chances. Ceux qui gagneront la couronne seront élus couple royal de l'année. Article 7. Dans le cas où le coup d'honneur viendrait à abattre la planchette, celui-ci serait compté comme coup nul pour que les autres jeunes puissent tenter leur chance. Article 8. Tout individu ne pourra faire qu'à partir d'un âge choisi par les membres de la société et avoir signé le procès verbal. Article 9. Le présent procès verbal sera lu à haute et intelligible voix par une personne désignée pour ce jour. Article 10. Il ne sera permis de ne rien déroger aux présentes dispositions qui seront fidèlement exécutées dans leur contenu. Fermé écran le 12 mai 2013 et ont signé les membres de la société. Que le concours commence.
Allez, vous pour la photo. C'est des stores, hein. Les stores, avec les lapins, c'est des stores. Le lapin, le lapin. Ça les meilleurs.
faut savoir que l'être humain est constitué de quatre éléments, hein, toujours un reste d'autre. L'eau, l'air, la terre, le feu, vous avez déjà entendu ça. Ces quatre éléments engendrent quatre tempéraments. Je vais être succinct. Le chaud, le froid, le sec, l'humide. Ces tempéraments dans le corps humain sont régulés par quatre cheveux. Le sang, le fleck, la bile jaune et la bile marron, la bile et la travée. Donc, quand on n'est pas bien, là, on va voir son médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Quand on n'est pas bien, on va voir son médecin avec ses urines du matin. Tous les médecins, ils mettent dans ce qu'on appelle une fatula, c'est une grosse ampoule en verre. Ça, c'est un peu renflé, ça va. On va regarder la couleur, la viscosité, éventuellement les éléments en suspension. Il va sentir, bien sûr. Et il va. Ah oui, il faut affiner les dossiers que ça, c'est un diabétique. D'accord. Et là, donc le médecin, il va poser un diagnostic. Je répète, hein. Tout ça, c'est en gros, ce sont des différentes urines. Froide, chaude, la presse intermédiaire, chaud humide, froid sec, humide, etc. Dans un premier temps, le médecin, bon, il pose son diagnostic et fait une prescription. Ça va commencer par l'hygiène de vie. Par exemple, l'alimentation. Quelqu'un qui aura un tempérament, par exemple, chaud ici, chaud sec, faire la vie, d'accord. Sachant qu'en gros, chaque praticien a entre 4 et 5 éléments d'origine minérale, une dizaine d'origine animale et un maximum d'origine végétale. Bon, essentiellement à base de plantes. Donc ici quelques choses rigolotes. Tout ça est basé bien sûr sur la pratique, hyper empirique, et aussi sur ce qu'on appelle la théorie des signatures. Qu'est-ce que la théorie des signatures? Disons qu'on affecte aux choses, disons, par rapport à leur couleur, à leur aspect, des propriétés. Bon escient ou pas. Mauvais exemple déjà. Ça c'est du corail. Là, il est mort, il n'est pas rouge. En principe c'est rouge et ramifié. Ça vous rappelle quoi? Il faut un peu d'imagination. Ouais, la vascularisation, etc. Donc ça il le réduisait en poudre et il s'en servait comme hémostatique. Ça marche pas, il n'y a rien de prouvé. Ça marchait pourquoi? Parce qu'ils vont manger à d'autres choses et elle avait des bons pouvoirs. Ça, donc théorie de signature, mauvais exemple. Rempli. Bien dit parce qu'on n'entend rien. Quand on le remplit, il chante. D'accord, ça fait blablabla, il chante. Ok. Ouais. Oui. Et quand on l'utilise, il pleure. Ça fait un chant de pleurs. Ah d'accord. Quand on se lève la tête, on a de les pleurs, mais c'est ce qu'on veut. Mais ça revient super à la mode, on va trouver dans les jardineries, mais non, en terre cuite. Pour arroser les pommes de manière, les tomates cerises et les machins. C'est... Ah c'est, oui, c'est pour arroser le jardin, quoi. Le jardinier. Donc voilà, hop, il chante. Hop, et après on peut le poser. Hein. On met en pause, il pleure.